Vendredi 20 mars 2015, jour de l'éclipse solaire. En milieu de matinée, le ciel commençait à s'obscurcir. Mais pendant que la plupart des gens avaient les yeux levés au ciel, d'autres priaient dans leur mosquée. Une prière inhabituelle, surtout à cette heure-là. De nombreux musulmans ont fait le déplacement. Dans la tradition musulmane, à plus forte raison lors d'une éclipse, nous devons être partagés entre la piété et la crainte. Cette prière, beaucoup plus longue que d'habitude, suivie d'un prêche, a été observée à la mosquée Al-Ahmar de Béziers. La prière a duré une demi-heure, les cycles composant la prière étaient longs. La récitation du Coran, avec notamment la sourate Al-Rahman, mais également les inclinaisons, qui ont dépassé la minute, ainsi que les soujouds, les prosternations. Ces longues stations rappellent celles des anges, qui restent en position d'adoration jusqu'à la fin des temps. Tard, c'était la grande prière du vendredi. Et là, nouvelle émotion pour les musulmans fréquentant la mosquée, une personne embrasse l'islam devant plus d'un millier de personnes. Les musulmans de Béziers se rappelleront de ce jour de mars 2015. Comment vous appelez? Et vous avez choisi l'islam? Pourquoi? C'est juste deux mots. Pourquoi l'islam face à la religion? Bon, Inch'Allah, nous, on a, il n'y a pas de procédure compliquée pour la conversion. Le fait, c'est une relation intime entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans l'islam, il n'y a pas des étapes à franchir pour arriver, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Vous allez mettre comme ça. On fasse les gens. Alhamdulillah, tu connais déjà, bismillah. Là, tout tourne bien. Et vous allez faire comme ça, vers le ciel, en disant après moi, Ashhadu, Ashhadu, Allah ilaha, illallah, illallah, wa Ashhadu, wa Ashhadu, Anna, Muhammadan, Muhammad, Rasulullah. Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Inch'Allah, c'est pour venir le féliciter, Inch'Allah.